À Libreville, nous nous mettons à quatre pour vous servir. Carrefour Sini, échangeant de la Lala au niveau du golf, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue sur Canal 7 et dans 7 Génie. Nous sommes à notre quatrième rendez-vous de la semaine. Ils étaient au nombre de 7 lundi, ils étaient 6 mardi, 5 hier mercredi. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 4. 4 qui vont affronter notre tableau de thèmes et de valeurs. Dans quelques instants seulement, pour vous qui regardez cette émission pour la première fois de la semaine, bien sûr, les présentations se feront dans quelques instants seulement. Le temps pour nous de vous rappeler la question du téléspectateur d'hier. La question était la suivante. Qui est le père de la foi dans la Bible? Qui est le père de la foi? Vous aviez à choisir entre 16A Jacob, 16B Moïse ou 16C Abraham. Et si vous avez bien sûr choisi 16C, c'est une bonne réponse. C'est Abraham qui est le père de la foi. Donc c'est une bonne réponse. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle question pour vous en ce qui concerne la question du téléspectateur qui vous permet de jouer chaque semaine. La question est la suivante, chaque jour et non chaque semaine, bien sûr. La question est: quelle discipline pratiquait Rachidi Yekini? Quelle discipline pratiquait Rachidi Yekini, international nigérian? À vous de trouver la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées. 17A, foot, 17 le football si vous voulez, 17B, le judo, 17C, le basket. 17A, foot, 17B, judo, 17C, basket. À vous de trouver la bonne réponse. Et pour répondre à cette question, vous écrivez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace, réponse ou 17A, ou 17B, ou 17C, que vous envoyez au numéro court 8877, entendez par là 8877. Vous êtes un établissement public ou privé, secondaire ou universitaire. Nous vous attendons sur le plateau de 7 Génie. Prenez attache avec nos services au 02 41 7777. 02 41 7777. Voici les présentations. Bonjour, je suis Bengon Ben Yohan, étudiant ici USIA en deuxième année de gestion des ressources humaines. Et pour le jeu, je vais m'appeler Darion. Bonjour, je m'appelle Laurel Missot. Je suis en deuxième année de gestion des ressources humaines à l'université USIA SIG. Et je joue sur le prénom de Aldris. Bonjour, Koukha Gossou, bienvenue, étudiant en journalisme, première année ESIG. Bonjour, Mintaro de Minaïn, je suis étudiant à ESIG en licence 2 de QHEC et je joue sous le pseudonyme de Dick Cover. Je n'avais pas remarqué depuis le début de la semaine, donc nous avons, Mohamed, tu as remarqué, on a un collègue ou confrère, hein, futur. Il fait du journalisme. D'accord. On espère vous voir d'ici là sur le plateau de Canal 7, même en stage. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. D'accord, on joue. Notre tableau de thèmes et de valeurs. L'ordre de passage nous donne Darion, bienvenue Aldris et Dick. Voilà notre ordre de passage. Alors, le tableau, avec vous Darion, nous allons commencer. Géographie d'hiver, où nous n'avons plus les valeurs de 2, 3 et 4 000. En corps humain, nous n'avons plus les valeurs de 7, 8, 9 et 10. Nouveau Testament, c'est là. En ce qui concerne les célébrités, 2, 6, 7 et 10. Avec quel thème, pour quelle valeur allez-vous commencer? Il n'y a pas de grammaire aujourd'hui. Je vais commencer avec le thème de d'hiver pour une valeur de 8000. D'hiver, 8000, me dites-vous, la question est... Le quotidien L'Action française a paru en 1908, 18, 34 ou 4, 1896. Là, je suis sûr que c'est à tout hasard que vous allez donner une réponse. Je suis sûr. Donc, vous avez à choisir entre 1908, 1918, 1934 ou 1896.
Je vais choisir 1918 et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono pour 1918 et on regarde. Non, 1908. Bienvenue. Nouveau testament 10 000. L'exécuteur testamentaire. Nouveau testament 10 000. Question. Que fit le proconsul Gallion quand les Juifs lui amenèrent Paul ? Vous avez moins de 20 secondes maintenant. Je bloque le chrono, je dirais qu'il le gifle là. Il le gifle là. Rien, car il ne voulait pas se mêler des discussions religieuses entre juifs. On peut le lire dans Actes des Apôtres 18, 12, 17. Malheureusement, mauvaise réponse, Aldris. D'hiver 7000. À 7000 d'hiver, la question est... L'abbé Pierre a lancé son célèbre appel en faveur des sans-logis et des expulsés le 1er février 1944, le 1er février 1954, le 1er février 1964 ou le 1er février 1974. 44, 54, 64 ou 74. Ce qui est sûr, c'est que c'était un 1er février. Est-ce de 1944, 54, 64 ou 74 ? Je bloque le chrono et je dirais le 1er février 1974. En bloquant le chrono, on regarde. Non, 54, malheureusement. J'espère que Dick, vous allez marquer le point parce que c'est un premier tour 100% zéro, quoi, si vous ratez. Je vais prendre l'hiver 9000. 9000 d'hiver, la question est... là, ça peut être une question bonus parce qu'il y a des questions comme ça. Mais vous allez quand même choisir à tout hasard. Cette photo célèbre illustre la guerre civile russe en 1918, la guerre d'Espagne en 1938, le mouvement des partisans en Italie en 1944 ou alors la guerre civile grecque en 1946. Alors là, c'est à tout hasard. Dans tous les cas, vous allez connaître la suite à la fin. Nous sommes rentrés dans la partie, c'est-à-dire à partir du quatrième numéro, vous avez des questions surprises et des questions bonus. Donc, vous avez la guerre civile russe en 1918, la guerre d'Espagne en 1938, le mouvement des partisans en Italie en 1944, la guerre civile grecque en 1946. Je prendrai la troisième question et je bloque le chrono. La deuxième ? Troisième question et je bloque le chrono. La troisième réponse, c'est ça. Le mouvement des partisans en Italie, c'est ça ? 1944. Dans tous les cas, lorsqu'on regarde, c'est la guerre d'Espagne, mais dans tous les cas, vu que c'est une question bonus qui peut être piège, vous marquez le point. Vous êtes chanceux, vous, hein ? Darion. Géographie pour une valeur de 9000. 9000 en géographie. La question. Quel est ce pays ? Quand vous regardez sur la carte, c'est la... en blanc. Voilà. Il s'agit maintenant de situer. Vous regardez un petit plan géographique et vous voyez quel pays correspond à cette couleur blanche. Attention, je vous entends, monsieur. Je vais... Choisir
l'Algérie et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et vous proposez l'Algérie et on regarde, non, l'Égypte. L'Égypte. Malheureusement. L'Égypte. Donc c'est une mauvaise réponse. Et on regarde, bienvenue. Nouveau Testament 9000. À 9000 Nouveau Testament, la question est, quel était le métier de Lydie, marchande d'étoffe ou marchande de tente? Marchande d'étoffe ou marchande de tente? Je bloque le chrono, j'ai dit marchande d'étoffe. Marchande d'étoffe, me dites-vous, et on regarde, Lydie était marchande d'étoffe, c'est correct! Actes des Apôtres 16, 14. Aldris. 10 000 divers. À 10 000 divers, la question est, le savant Max Planck était un chimiste, astronome, biologiste ou physicien? Chimiste, astronome, biologiste ou physicien? Je bloque le chrono et je dirais que il était astronome. Astronome, me dites-vous, et on regarde, non, physicien. Dick. Je prendrais célébrité 8000. Célébrité 8000. 8000 célébrités, la question. Quelle est l'identité de ce personnage? Je passe. Vous passez, et on regarde. Calixte Beyala. Retenez les noms et vous pourriez regarder sur le net après. Ouais. C'est bon. Donc, mauvaise réponse. Darion. Corps humain pour une valeur de 6000. La rétine contient plusieurs sortes de cellules pour voir de loin et de près. De haut et en bas, en haut et en bas, autant pour moi, en pleine lumière et dans la pénombre, selon vous. Ça fait trois propositions. Je vais choisir en pleine lumière et dans la pénombre et je bloque le chrono. En pleine lumière et dans la pénombre et on regarde, c'est une bonne réponse ça. Bienvenue. Nouveau Testament 8000. 8000 Nouveau Testament, la question. Quelle fut la réaction de Judas quand Marie oignit les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix? Je bloque le chrono et je dirais qu'il s'est indigné. Il s'est indigné. Il demandait pourquoi est-ce que l'on pouvait utiliser un parfum de tel prix pour indre les pieds. Il s'est indigné et on regarde, il se mit en colère car il aurait préféré vendre ce parfum et disposer de l'argent en Jean 12, 1, 8. Qu'est-ce que vous en pensez? Il mérite le point? Vous pensez? Non, il ne mérite pas malheureusement. Vous marquez le point. Adrice. Géographie 8000. Géographie 8000, c'est bien ça. Alors, question. Quel est ce pays en blanc? Putain.
passe. Vous passez, vous passez. Et on regarde la graisse. Dick. Je vais prendre corps humain 4000. Question à 4000 en corps humain. La question est, les muscles striés ne se contractent que si on le décide, peuvent se contracter brutalement par réflexe ou alors sont tous fixés à des os. Les muscles striés ne se contractent que si on le décide, peuvent se contracter brutalement par réflexe ou alors sont tous fixés à des os. Je vais dire... La première réponse, je bloque le chrono. Ne se contracte que si on le décide. À 5 secondes de la fin du chrono et on regarde. Peuvent se contracter brutalement par réflexe. Malheureusement, mauvaise réponse. Darion. D'hiver pour une valeur de 6000. 6000 d'hiver, la question est. Jean-Paul Sartre a écrit une biographie de Baudelaire, Vériane, Artaud ou Camus? Jean-Paul Sartre a écrit une biographie de Baudelaire, Vériane, Artaud ou Camus. Je dirais Camus et je bloque le chrono. Baudelaire, malheureusement. Bienvenue. Nouveau Testament 7000. À 7000 la question. Qu'annonça le Seigneur à Paul en lui apparaissant de nuit? Le chrono, je dirais que le Seigneur lui dit de ne pas se rendre dans une ville, mais je ne connais plus le nom de la ville. De ne point se rendre dans une ville. Vous avez bloqué le chrono? Oui, je bloque le chrono. Qu'il devrait aller témoigner à Rome comme il venait de le faire à Jérusalem. Donc, de se rendre dans une ville. Acte des Apôtres 23, 11. Donc, mauvaise réponse, ça ne marche pas très fort là. Hein? Aldris. Vous n'avez encore rien marqué jusque-là. D'hiver 5000. À 5000 d'hiver, la question est, pour savoir à quelle distance il y a l'orage, il faut multiplier le nombre de secondes entre la vue de l'éclair et le bruit du tonnerre par 340 mètres par seconde, 540 mètres par seconde ou 740 mètres par seconde, selon vous. Non, il n'y a pas de communication entre joueurs sur le plateau. Pour savoir à quelle distance il y a l'orage, il faut multiplier le nombre de secondes entre la vue de l'éclair et le bruit du tonnerre par 340 mètres par seconde. Je bloque le chrono. 340 mètres par seconde. 340 par seconde. Et vous avez bloqué le chrono? Oui. D'accord. Et on regarde. 340 mètres, c'est correct. Dick. Je vais prendre corps humain 5000. 5000 corps humains. La question est, le système cardiovasculaire comprend le cœur, le foie et le pancréas, le cœur, les artères et les poumons, ou alors le cœur, les artères, les capillaires et les veines.
Vous avez trois propositions. Je vais prendre la troisième proposition et je bloque le chrono. Le cœur, les artères, les capillaires et les veines, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde le cœur, les artères, les capillaires, c'est correct. Darion. Je vais tenter célébrité 5000. À 5000 célébrités, la question est quelle est l'identité de ce personnage? Je bloque le chrono et j'ai dit Nelson Mandela. C'est bien correct. Bienvenue. Nouveau Testament 6000. 6000, la question. Par quel moyen, voilà, toutes les portes de la prison furent-elles ouvertes d'un coup? Je bloque le chrono et je dis par le moyen de la louange. Par un grand tremblement de terre. Tremblement de terre. Dû à... La louange? Et voilà. Un tremblement de terre. La louange en est le tremblement de terre. Par quel moyen? La louange? Non. C'est le tremblement de terre. Ok. Si il n'y a pas de louange, il n'y a pas de tremblement de terre. C'était par la louange. C'est par la louange, les portes peuvent s'ouvrir directement. Mais il y a un phénomène que la louange a déclenché qui a ouvert les portes. Si. Ça tient à mon raisonnement, là. Et c'est écrit, ce n'est pas moi. C'est écrit. Non, la louange peut avoir ouvert les portes directement sans créer le tremblement de terre. La louange a déclenché un tremblement de terre qui a ouvert les portes. Mais c'est la louange justement la clé. La louange est la base. Mais il y a un phénomène que la louange a déclenché. Malheureusement, on gagne du temps. C'est faux. Avec des infos de 16-26. Aldris. Géographie, 10 000. Combien? Géographie, 10 000. 10 000 géographie, question. Quel est ce pays? Là, en blanc, là-bas. Je vois même pas. Ah, vous avez vu, là? S'il vous plaît... Laissez-les se concentrer. Vous les stressez plus encore quand vous parlez derrière eux. Je passe. Vous passez. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est aussi de la sagesse qui vous fait passer. Donc, il ne faut pas suivre. On découvre tous ensemble Philippines. Philippines. Donc, mauvaise réponse. Dick. Je vais prendre corps humain 3000. 3000 corps humains. La question est, le cœur est composé de fibres musculaires lisses, striées, douées d'automatisme. Je prends la troisième question. La troisième réponse. Strié, doué d'automatisme. Et je bloque le chrono. Et vous bloquez le chrono et on regarde. Strié, doué d'automatisme. Correct. Je comprends. Vous devez prendre beaucoup de temps sur les corps. Leur corps. Si on cache ici. Sur leur corps. Sur leur corps. Donc, c'est correct, on a dit. Darion. Je vais choisir la géographie pour une valeur de 4000. 4000. Question. Quelle est la plus grande en termes de superficie ville d'Afrique? Est-ce le Caire, Lagos, Johannesburg ou Kinshasa? Ville d'Afrique en termes de superficie. Je bloque le chrono et je vais choisir Lagos.
Vous avez bloqué le chrono pour les gosses et on va regarder. Le Caire. La capitale d'Égypte, c'est la plus grande ville d'Afrique. Elle est située dans le nord-est de l'Égypte, sur le bord du Nil. Donc, c'est une mauvaise réponse. Bienvenue. Nouveau Testament 5000. Cette fois-ci, vous n'allez pas argumenter, hein, c'est promis. Ok. 5000 Nouveau Testament. La question est, dans quel pays Joseph, Marie et l'enfant Jésus s'enfuirent-ils ? Je bloque le chrono et j'ai dit pour l'Égypte. En Égypte, c'est correct. Matthieu 2, 13, 14, ça c'est une bonne réponse. Aldris. Tu fais ça pour quoi ? Géographie 7000. Question. Quel est ce pays ? En blanc là. J'ai oublié de vous dire, hein, finalement le directeur a appelé. Ça va compter pour les évaluations. Je bloque le chrono et je dis le Lesotho. Chrono bloqué, le Lesotho, en regardant le Zimbabwe. Malheureusement. Dick, assurez-vous, même derrière, ils se sont plantés. Et ils se plantent très souvent derrière. Je vais me risquer et je vais prendre la géographie 6000. Question, Dick, en géographie, quel est ce pays ? En blanc, là-bas. Je passe. Parce que je sais que vous cherchiez la carte d'Afrique, mais bon. La Finlande, là. Darion. Je vais choisir géographie 5000. 5000 géographies, la question est quelle est la surface estimée du bassin de l'Ogoué ? Est-ce de 200 000 km carrés, 215, 320 ou 350 000 ? 200, 215, 320, 350 km carrés. Quelle est la surface estimée du bassin de l'Ogoué ? 200. Je bloque le chrono et je vais choisir 215 km carrés. 215 pour vous en bloquant le chrono et on regarde. C'est correct ! Bienvenue. Nouveau Testament, 5000, 4000. Question à 4000. Qui déchaîna une émeute en voyant Paul dans le temple de Jérusalem ? Il n'y a pas des propositions. Non, c'est 4. Quand on a une question comme ça, si la réponse est fausse, ce sera aussi tâche qu'on va vous mettre. Il déchaîna une émeute en voyant Paul dans le temple de Jérusalem. Les principaux sacrificateurs ? Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono pour les principaux sacrificateurs et on regarde des juifs venus de la province d'Asie. Actes des apôtres 21, 27, 30. C'est faux ! Adris. Célébrité 9000. Pardon ? Célébrité 9000. Question à 9000 en célébrité.
Ça veut dire que vous n'allez plus jouer pour 9000, mais pour 9000 fois 3, si la réponse est bonne, vous avez exactement 27000. Quelle est la fonction de ce personnage? Je bloque le chrono et je dis que c'est Isayatu. Sa fonction, c'est ce qui est là. Quelle est la fonction de ce personnage? Sa fonction, il est actuellement ou avant? Avant et actuellement, ça dépend, pour qu'on soit situé. Il est le président de la FIFA par intérim, vu qu'on n'a pas encore... Et avant, il était quoi? Il était président de la CAF, Confédération africaine de football. Pour 27 000, hein, c'est pour ça que vous jouez là. Et donc? Oui, il est président de la CAF. Et donc? Je bloque le chrono. Ah, voilà ce que j'attends. Vous bloquez le chrono, est-ce que c'est une bonne réponse, ça? C'est une bonne réponse. C'est correct, ça. Il doutait même, hein, lui-même il doutait. Il tremblait, il doutait. Dick, s'il vous plaît. Je vais opter pour corps humain 2000. Corps humain 2000, la question est l'énergie nécessaire à la contraction d'un muscle fait surtout appel à la dégradation des protéines apportées par le sang, des lipides stockés sous la peau ou alors du glucose. La troisième question, du glucose, je bloque le chrono. Du glucose est correct, ça. Darion. Je crois que c'est notre dernier tour. Là. Vous dites? Je vais opter pour célébrité 5000. 5000 célébrités, il y en a plus. Il vous reste les valeurs de 1, 2, 4. 1, 3, 4000 en célébrité. 4000 célébrités. Question. Quelle est l'identité de ce personnage? Il est belle. Je passe. Marie-Noël Adameo, ancienne Miss Gabon. Donc, bienvenue. Vous avez une ancienne dauphine qui est là avec vous. Vous ne l'avez pas remarqué? Oui, je suis une ancienne dauphine. Bienvenue. Ouais. Nouveau Testament 3000. Pourquoi les chrétiens d'origine juive firent-ils des reproches à Pierre? Moins de 10 secondes. Prenez des règles parce qu'il renonça à le Seigneur Jésus. Parce qu'il renonça. Parce qu'il renia. Il renia le Seigneur Jésus. Parce qu'il était allé chez les païens et avait mangé avec eux. Actes des Apôtres 11, 1, 18. Heureusement que vous reconnaissez. C'est faux, c'est une mauvaise réponse. Aldris. Géographie 3000. 3000 géographies. La question est, quel est le nom actuel du Dahomey? C'est faux, c'est une mauvaise réponse. Quelle est l'identité de ce personnage? Je dirais Alfadi. Alfadi, on bloque le chrono et on regarde la réponse.
Al-Fadi est une bonne réponse. Donc c'est correct, on passe tout de suite aux enchères. Les enchères, évidemment que le chrono continue de tourner. Vous avez 16 000 darions. Je mise 8 000. Vous misez 8 000. Vos 8 000 sont enregistrés, vous avez 22 000, bienvenue. 11 000. C'est fait, vous avez 32 000, Aldriss. La moitié de 32, c'est 16. 16. Vous avez 22 000, Dick. Je mise 11 000. Vous ne faites pas, personne n'ose faire un banco, non? Hein? Personne ne fait banco? C'est quoi le banco? Tu as misé tout est bien. 11 000, vos mises sont enregistrées, on va à Prix Import et on se retrouve derrière pour la question des enchères. Prix Import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sini, échangeur de la Lala au niveau du Golfe, bord de mer et Prix Import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix Import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix Import, encore plus proche de chez vous. De retour sur le plateau avec nos quatre génies encore en course. Nous allons, avant de découvrir la question du téléspectateur, vous rappeler la question, avant de découvrir la question des enchères, plutôt vous rappeler la question du téléspectateur. Pour aujourd'hui, la question est la suivante. Quelle discipline pratiquait Rachidi Yekini? Quelle discipline pratiquait Rachidi Yekini? Vous avez à choisir en 17A le foot, 17B le judo, 17C le basket. 17A foot, 17B judo, 17C basket. Pour répondre à cette question, vous écrivez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace, réponse ou 17A ou 17B ou 17C que vous envoyez au numéro court 8877, entendez par là 8877. Vous êtes un établissement public ou privé, secondaire ou universitaire, les portes 7 génies vous sont ouvertes et pour cela, prenez attache avec nos services au 02 41 7777, 02 41 7777. Allons-y messieurs, découvrir la question des enchères. Complétez la citation ou le vers tiré du CID de Corneille. À vaincre sans péril, 3 points de suspension. Qu'est-ce qui manque? Complétez la citation ou le vers tiré du CID de Corneille. À vaincre sans péril. Vous écrivez le mot manquant. J'entends des chuchotements. Vous disposez de 5 minutes, mais je crois qu'il vous en reste 4 maintenant. Ne soyez pas surpris par le chrono. Lorsque vous avez fini d'écrire, vous posez les stylos. Ce sont des épreuves qui comptent pour les évaluations à l'école, hein, à ICIG. À vaincre sans péril, point de suspension complété. Nous allons vous rappeler encore la question du téléspectateur. La question de notre quatrième rendez-vous de la semaine est la suivante. Quelle discipline pratiquait Rachidi Yekini? Quelle discipline pratiquait Rachidi Yekini? Vous avez en 17A le foot, 17B le judo, 17C basket. 17A foot, 17B judo, 17C basket. Pour répondre à cette question, vous écrivez le chiffre 7 suivi de la lettre G. Espace, réponse ou 17A ou 17B ou 17C que vous envoyez au numéro court 8877, entendez par là 8877. Vous êtes un établissement public ou privé, secondaire ou universitaire, les portes de 7 génies vous sont ouvertes et pour cela prenez attache avec nos services au 02 41 7777. 02 41 7777. De retour sur le plateau avec nos 4 génies.
compléter la citation ou le vers tiré du Cid de Corneille, à vaincre sans péril, point de suspension. Vous avez fini, bienvenue ? Ah non, vous réfléchissez. D'accord. Désolé, si j'avais, si c'est moi qui faisais les questions, j'aurais forcément trouvé la question des enchères dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, en tout cas dans la Bible. Darion, vous avez fini ? Non. Non. Évidemment, Essig, qui a bénéficié d'un renfort en plein milieu des missions. D'autres élèves sont arrivés, les prochains participants des SIG d'ailleurs. Si toutefois ils ne désistent pas. Ah, Aldris, vous avez fini? Génial. Vous avez fini? Sinon je réfléchis. Ah, vous réfléchissez, d'accord. Ah. Ben là, on va attaquer la dernière minute. Il vous reste 50 secondes. Il vous en reste 40. Ah, ici, il y a aussi des écharpes. Ah oui ? Ah, mais c'est bien ! Ah oui, génial. Très bien. Il vous en reste moins de 20. Vous avez fini, Darion? Vous avez fini? Oui, Aldris, vous avez fini? Bienvenue. Dick? Ok, ben on stoppe le chrono et on va ramasser les copies. Merci. 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 Quelqu'un a une idée? Dans le public? Non. Pardon? Le roman n'a pas... C'est tout le titre. Alors, allons-y déjà découvrir la bonne réponse. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le conte, acte 2, scène 2. Le roman a trop de choses. Oui, c'était ça. Tout à coup, quoi. Ok, d'accord. Alors, Dick nous dit son ego. Non. La mort nous dit bienvenue. Non. Pour mieux vivre, nous dit Aldris. Non. Darion nous dit... Vous n'avez rien écrit? Non. Bon, de toutes les façons, tout le monde est passé à côté, quoi. Alors, on va faire le bilan, une soustraction générale. Bilan de la Manche, nous avons Darion à 8000, 11000 que se partage Dick et bienvenue. Mais il y a surtout 16000 pour Aldris. Le principe du jeu voulant que le montant le plus petit soit celui qui soit éliminé. Donc malheureusement, Darion, vous nous quittez. Alors, vous avez quand même le temps en 10 secondes de dire quelque chose. Je remercie l'émission Les 7 Génies de Canal 7 de nous avoir permis de venir en quelque sorte nous cultiver parce que c'est aussi un moyen. Et je salue Essig Uzia. Merci Darion. Voilà, tout est bien qui finit bien. On se retrouve demain pour la demi-finale qui va opposer Aldris, bienvenue, et Dick. Un de ces trois joueurs sera éliminé pour avoir ensuite nos deux finalistes. Passez une bonne soirée et à demain 18h10. Prix
Import à Libreville, nous nous mettons à quatre pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du Golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Le prix imbattable et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. We'll be right back.